pour adonari dan dan dunduni mula watone galiba lava ngamuru makane jibali patgola dombulu bonde watone galiba lava ngamba yakane jibali patgola dombulu langba tone galiba lava ngama kula yani jibala patgola dombulu Batone galiba lava nga sara kane jibuli kote kaula dombulu. Da jinja de marinda jagina gina, da jukura de marinda jandoni duni. Da jibuli le ad de jauja kula gango. Nele kai le ad nganja unja kula gangwa. Nera kwa ile ad de jauja kula gango. Nera bobi le ad nganja unja kula gangwa. Dans la grande forêt d'Afrique vivait la famille Ngo. Cette famille qui n'avait que des filles, belles, jeunes, mais qui ne savait rien faire, rien d'autre que la musique. Elle faisait une musique si douce, si mélodieuse, que toute la forêt en était bercée et se taisait tous les soirs pour écouter et danser au son de ses mélodies. À l'orée de cette forêt vivait un roi qui s'appelait Gosso. Le roi Gosso, conquis lui aussi par la musique des filles Ngo, passait des nuits entières dans la cour de son palais à écouter la belle musique qui lui venait des profondeurs de la forêt. Envoûté par tant de beauté, le roi Gosso décida d'épouser une fille de la famille Ngo. Ainsi, il aurait la belle musique dans son palais et l'écouterait pendant tout le reste de sa vie. Le roi envoya un de ses notables négocier le mariage. Ce dernier revint et dit au roi : « Majesté, c'est impossible d'épouser une fille de la famille Ngo. » Pourquoi ? S'écria le roi. Fâché, il fit jeter de son palais le premier notable et envoya un deuxième. Le second notable revint un peu plus tard dire au roi : Majesté, c'est difficile à expliquer, mais si vous voulez épouser une fille de la famille Ngo, eh bien, vous devez épouser toute la famille. Toute la famille quoi ? S'écria le roi, plus surpris et encore plus fâché. Le roi se ressaisit, réfléchit un instant, puis ordonna : Soldats, prenez vos chevaux, ramenez-moi les filles de cette fameuse famille. Ici, dans mon palais, immédiatement, afin que j'en juge moi-même. Aussitôt dit, aussitôt fait. La famille Ngo, amenée au palais du roi, fut présentée à sa majesté, le roi Gosso. Mais c'est alors que le roi constata une bien drôle de vérité. Ainsi, chaque fille de la famille Ngo n'avait qu'un seul ton à la voix. Pour parler au roi, ses filles se mirent en groupe et chacune à son tour, elles dirent au roi : Majesté, si vous enlevez l'une de nous, nous ne pourrons plus faire la musique.
Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ça alors! S'écria le roi, plus étonné qu'embarrassé. Le roi ne fut pas long à se ressaisir. Il appela ses gardes et ordonna à nouveau. Soldats, puisqu'il en est ainsi, prenez un long bâton, attachez-y ces filles, donnez-leur à manger et à boire, et assurez-vous qu'elles restent toujours ensemble, afin qu'elles continuent à me faire la belle musique. Voilà pourquoi et comment les filles de la famille Ngo furent arrachées à leur forêt natale pour vivre dans le palais du roi Gosso. Et voilà pourquoi et comment le Ngo, le bois d'ébène, fut enlevé à sa forêt mère pour être sculpté et attaché à un long bâton. Et voilà pourquoi et comment naquit le kundu, ailleurs appelé balafon, cet instrument d'Afrique hérité de la plus profonde des traditions. Et enfin, voilà pourquoi le gosso, l'artiste héritier de ce premier roi musicien, joue du kundu afin que tous, en Afrique et ailleurs, puissent entendre la belle musique des forêts, héritée de nos ancêtres et transmise de génération en génération. Le cahier de la gangua. Oui, bon. C'est le. Il raconte le de la gangua.